Oui, nous sommes bien à l'hôpital, à la clinique Albert le Grand à Bonabéré. Oui, nous sommes là en présence de trois bébés. Trois bébés que vous voyez là. Que la maman n'est plus parmi nous. La maman nous a quittés. La mère ne pleure pas. La mère ne pleure pas. La maman des triplés, Bengui Thérèse, a déserté du Nord-Ouest en fuyant la guerre de la crise anglophone. La jeune dame âgée de 29 ans est entrée à l'hôpital Saint-Albert-le-Grand de Bonabéry le 16 juin 2022 et rend l'âme en donnant naissance par césarienne au triplé suite à son opération chirurgicale. Oui, Ernestine, je crois que c'est toi qui vas leur poser les questions parce que ce sont les gens du Nozo. Je suis accompagnée de ma collègue Ernestine, que vous voyez là présente. Oui, bonjour, nous sommes à la clinique Albert le Grand de Bonabéry. Elle se trouve en ce moment à la morgue de l'hôpital Bonasama. Ses trois bébés orphelins ont besoin d'aide. Le Centre social Solidarité africain vous prie tous d'apporter vos aides afin que nous puissions soutenir ensemble ces enfants orphelins. Ok, bonjour à tous. Comme vous pouvez constater, nous sommes à la clinique Abel-le-Grand et nous avons entre nous ici les jumelles qu'on a couchées, trois, le Très triplé. clair. Nous avons l'autre dans le berceau là-bas, de l'autre côté. Et Sommes avec les grands-mères et les ici, enfants. nous sommes avec les grands-mères des Les enfants bébés que vous voyez. que vous voyez là. La grand-mère maternelle et paternelle. Vous pouvez contacter la directrice du Centre social Solidarité africain, Sironi Toubet, au 00237 677 739 674 Douala. Pour ceux de l'Europe, vous pouvez faire votre virement sur le compte de Ledou Paradis, président du Centre social Solidarité africain, BE 63 06 37 03 38 31 08. Soit vous envoyez directement vos aides à la directrice du Centre social Solidarité africain du littoral à Douala, Sironi Toubet. Voilà la grand-mère maternelle, celle la jaune et la grand-mère paternelle. Et nous avons là la tante des bébés. Qui est assise sur Et le c'est lit. elle qui s'occupe des bébés. Bon, elles ont essayé de nous expliquer la situation. Et comme vous pouvez constater, la maman des bébés n'est plus en vie parce qu'elle est décédée 2 jours après l'accouchement. L'accouchement. Et elle a accouché par césarienne. Voilà. La mère ne pleure pas. Une fois de plus, je remercie infiniment les personnes de bonne âme, les personnes miséricordieuses et généreuses qui ne cessent d'apporter leur soutien au Centre social Solidarité africaine pour que nous puissions ensemble soutenir les enfants orphelins, les femmes veuves et les handicapés. La mère ne pleure pas. C'est bon, on a oppression. On est des filles pleines. Moi, je suis ma mère de ma personne, ma propre site. Encore, on a un site. Encore, je suis là. C'est bien, quand on a un goût de l'autre. Était présente Ernestine Liban, la représentante des enfants orphelins et femmes veuves du Nozo auprès du Centre social Solidarité africaine, la directrice du CIESA du littoral et Lili Tchami à l'hôpital Saint-Albert-le-Grand de Bonabéry.